Ok les amis, salut, c'était des extrémistes extraterrestres ont été signalés dans les profondeurs de la jungle, des bois ailés, des arbres ailés, je crois. Des arbres ailés, ah, c'est joli comme ça, des arbres ailés. Bah, c'était le Kaiser Suprême Abaddon, j'espère que ça... Ah, venez, je vous attends les amis. Oh merde. Saloperie, saloperie, hé, saloperie. Divine saloperie. Allez, on va leur évangéliser la gueule. Oula. Oh, ça sent le boss. Merde. Ah, au dernier moment. Oh, le cœur. Le cœur de la ruche. Le point faible de la... Et weak point, je pense que c'est point faible. Merde. Ok, bah, il y avait qu'à demander. Waouh, c'était vraiment le boss le plus dur que j'ai jamais vu. Non, en vrai, suivant le bro que vous avez, c'est plus ou moins dur, mais... le truc, c'est que y a les petites pattes qui vous gênent, du coup, faut faire gaffe. Bon, ben voilà. Ah merde, y'a plus d'alien. Ça, c'est pas alien, ça. Oula, c'est alien T, ça. La petite... pas croix, le pentacle, là. Voici les États-Unis d'Amérique. Nous sommes inondés d'appels signalant des démons et une invasion des forces du mal. Exorcisez-moi tous. Ouais, ben... moi, c'est le premier truc que j'appelle, c'est l'armée, si je vois des démons ou des trucs comme ça. Peut-être si on envoie 2-3 inquisiteurs ou des chaplains Space Marine. Mais, ouais... Oula, il y avait du sang là. Ah, attention, il ressuscite de... Ah merde, putain. Putain, dès le début. Ça, c'est très joli, tous ces crânes là, comme ça, c'est marrant. Alors là, les chiens comme ça, quand ils vomissent, quand ils bouffent un gars, en fait, ils te recrachent un truc qui fait spawner d'autres chiens. Ça, c'est très chiant. Les chiens chiants. Vous voyez là, il bouffe et après ça donne naissance à des trucs. Ouais, bon bah c'est mort. Hein. Ouais, c'est pas mal l'enfer. Il fait un peu froid, mais il y a des crânes partout, des montagnes de crânes qui font plusieurs kilomètres de haut. Mais à part ça. Puis des mecs qui se suicident, mais c'est tout. Hein. Hop. Puis il y a des chiens qui mangent du sang. Oh putain, en plein vol. Ah ah. Ouais, faut faire gaffe avec les... Quand on envoie les bidons d'essence, parfois, il y a des bidons de... Bidons de fuel qui peuvent... Ah, j'ai fait bugger la source de... Merde, merde. Oh putain, je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur la touche E au lieu de toucher la touche Z. Oh putain. Ah, oh, un écorché. On va pouvoir faire de l'anatomie. Ah bah, il est mort. Bon, on va pouvoir le disséquer. Ah! Outini! 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 Ah, j'ai jamais essayé de faire l'imitation du... Outini! Allez, Robert De Niro contre les Jawa. Ok.
Jawa Ben Daoud. Ben, je sais plus comment on dit. Bon, on s'en fout de ce type. Ah bah attendez, je regardais l'heure. Alors, 24. Ouais, on va dire j'ai commencé à 21, ouais. Et avec moi maintenant. Et là, est-ce que s'il ne peut pas ressusciter là? Ah non. Ah, il est redevenu. Il est devenu gentil. On l'a vacciné contre la méchanceté. Putain! Voilà, crève. Je suis pas concentré aujourd'hui. Bon, ils servent à rien. Voilà, j'ai perdu du temps. Pourtant, là, en vrai, là, le gameplay, là, pour l'instant, il est pas trop dur, mais... Enfin, à ce niveau, je veux dire. Mais je suis pas concentré sur ce que je fais. On leur sort des tripes, ils disparaissent. Bon, ok, venez les amis. Le truc, c'est même s'ils servent pas à grand chose, c'est vous les faites tomber comme ça sur les machins là, comme ça, et ça vous fait de la place. Voilà, téléportation. Oh putain. Oh merde. Ah merde, je peux pas atteindre le truc. Ah, oui, voilà l'astuce. Oh là là, tout ce qui... Wow. Attends, mais ils en sortent à l'infini. Oh là là. Oh merde. Juste pour le fun. Ok, quand on a deux blocs, ils peuvent pas sauter. Oh, ça fait... En vrai, ça fait peur. Hein. Allez, merde, mais merde, mais non, non, non! Je vais passer par en dessous. Ça, c'est de l'archéologie, les amis. Alors, eux, ils sont totalement inoffensifs. C'est juste qu'ils te montent sur le dos, mais c'est pas... Allez, on peut les sortir. Alors là, vous voyez, il y a une chaîne, la chaîne du haut, le maillon du haut, il est un peu cassé. C'est pour ça que des fois, ça pète. Ça se casse la gueule. Et sûrement des chaînes rouillées, j'imagine. Ok, alors. Ok, voilà. Et je regrette qu'il n'y ait pas des aliens de l'enfer, ça pourrait être marrant. Merde, merde. Et pourquoi? Et pourquoi il va vers le haut? Oh putain.
Alors. Ouais, en vrai, je me sens plus en sécurité là en enfer que à Paris. Et surtout, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais on peut monter là sur les crânes. Ah non, le niveau est pas tiré. Ah, c'est très trop souple. Voilà. Voilà. Aussitôt dit, aussitôt plasme. Putain, merde. Ah, ok, ouais. On a des petits symboles, la croix à l'envers et tout sur les, là où il y a le symbole près de sa main. Tout à droite, c'est une croix de Léviathan. Je l'avais déjà vu dans Exorciste et des trucs comme ça. Avant, quand j'y jouais la première fois, je me demandais qu'est-ce que c'était. C'est la croix de Léviathan. Oh merde. Voilà, ça balance du feu. Non, mais c'est, je voulais vous montrer, voilà. Voilà. Alors, il est 31. Ok, ça fait 5 minutes à peu près que je joue, 10 minutes, je sais pas. Puis, c'est pas grave, on fera un épisode un peu plus long s'il faut. Oh merde! Oh merde! Ouais, ça se ferme. Ouais, il se fait crap. Mais non, il a été sauvé. Oh, il est tout mignon lui! Ah, pour le fun! Merde, j'ai pas réagi, c'est tout. Ah, je suis habitué en fait à avoir des réflexes un peu. Oh merde, j'ai gaspillé ça. Mais merde, oh je me suis trompé de bouton encore. Alors ça faut détruire parce que si vous voyez la statue au-dessus, si jamais il y a, voilà, ça va, ça risque d'invoquer des trucs s'il y a assez de sang. Oh, il lui manque des bras. Ah non, ça va. Oh merde. Oh merde, attends, j'ai pas mouru comme ça. Ah ok, d'accord. Je me casse la gueule et voilà. J'ai gagné le niveau, je me suis cassé la gueule et j'ai gagné le niveau. Oh, j'ai perdu le bonus. Ah bah voilà. Fallait demander. Ok. Je vous jure, à un moment, j'avais fait essayer de commencer à faire une série sur Broforce, mais j'ai pas pu terminer parce que j'ai changé d'ordi. Et bah du coup, je faisais tout recommencer. C'est pour ça là, je fais une vidéo. Et du coup, putain, merde, je voulais pas sauter si haut. Et du coup, mes vidéos durent à peu près 10 minutes. J'avais décidé que ça dure 10 minutes pour que ce soit court. Sauf qu'à un moment, et ben vous savez quoi? Et ben je discutais, j'étais pas, je sais plus quoi je parlais, mais je parlais de philosophie et tout. Et mais du coup, la vidéo, elle a duré 45 minutes. Au bout d'un moment, je me disais, attends, il reste peut-être du temps. Et là, il me disait, oh bah tiens, 45 minutes. Ah,
Ils utilisent leurs propres armes. Ils sont détruits par leurs propres armes, on se retrouve dans la chambre des officiers. Ah, pas c'est prêt. Putain! J'avais le checkpoint juste en dessous, j'aurais pas dû aller là. J'ai eu trop confiance en moi. Alors, ça c'est bien. Merde. Bon, tant pis. Voilà. Oh, Satan, Lord. Ok. Ok, bon, ben, j'ai manqué de respect à Satan. Remarque, je lui en devais pas beaucoup. Ok, voilà. Bon, on prend le vortex. Et on y va. Alors. Et voilà. Ok. Ok, je vais essayer de le faire tomber. Y a pas des munitions. Oh putain. Merde. Oh ben je lui ai sauvé la vie. Voilà, ça t'apprendra de se sauver la vie, toi. Vous êtes bien cruel, monsieur. C'est la vie qui est cruelle. Oh, la rencontre sur le toit. Duel épique. Ah ben il tombe dans le vide, lui. Je t'ai libéré, mais t'es mort. Non, non. Ouais, vas-y. T'inquiète, je te libère, mais trop tard, ça sert plus à rien. Ah ben il est libre! Je suis ton père! Satan? Satan bouche un coin! Proverbe maçonnique. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Ah, attendez, attendez, monsieur Satan. Décidément, vous êtes partout.
Ah, j'oublie qu'on est en mode difficile. Alors là, il y a des petits verres. Ouais, non, 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 merde, j'étais presque. Oh, c'est frustrant. Oh, ben ça va, y'a pas grand chose. Voilà, j'ai cassé la torche. Ça sent le boss de fin. Non, je déconne, c'est pas le boss de fin. Oula, j'allais me gratter l'arcade sourcilière et j'ai gagné. Alors, 41, voilà, ça fait 20 minutes qu'on joue. Oh, lui, il est différent. Oh putain, les crânes. Ça, c'est le truc que c'est le dernier truc que j'ai détesté parce que c'est le truc pendant le plus longtemps possible qui m'a fait chier. Putain merde, je peux pas péter juste cette petite vitre. Oh merde, Conan le barbare, tu es mort. Viens au pays des barbares. Ah bah tiens, mais il y a de la ville. Viens au pays des barbares, papa. Viens t'amuser, on va s'éclater. Ah ben ouais, ben fallait y penser à ça. Attends, eux je peux les éliminer méthodiquement. Putain, j'avais le meilleur pour ça. Et il est mort. Ah bah ben là c'est le pire, c'est le pire. Ah non mais ça va, il y a une deuxième vie. Oh là là, c'est chiant. Ah, ben Robert De Niro. Ah bah y'a plus de poulet. Ce soir, poulet. Salut les poulettes, vous aimez le poulet? Parce que moi j'adore. Oh putain, je me suis fait avoir. Putain, je suis... Attends, il m'a quand même tué. James Bond est une blonde. Non, d'ailleurs, je me souviens... je crois que c'était dans le magazine Je Bouquine, un magazine là, de lecture pour enfants. Il y avait une BD qui s'appelait James Blonde. Et il était blond.
Mais justement, j'étais, je sais pas pourquoi, quand j'étais enfant, j'étais, c'était peut-être à cause de cette BD, j'étais persuadé que James Bond, il était blond. Et d'ailleurs, je voulais me, du coup, pour ça, je voulais me faire teindre les cheveux en blond quand j'étais enfant. Et alors que là, maintenant, je m'en fous totalement. Et j'écrasais les verres. Et du coup, en fait, j'ai pas tout à fait tort parce qu'en fait, c'est dans les livres qu'il est blond. Merde. Putain. Merde. Oh merde. Putain. Bon là, j'ai pas le choix. Parce que ça fait spawner des têtes de mort, voyez-vous? Oh merde, bon, tant pis. J'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Le truc, non seulement c'est la tête chercheuse, mais en plus ça explose. C'est vraiment la belle saloperie, ça. Remarque qu'on est en enfer, c'est normal qu'ils aient une armée un peu spéciale. C'est vraiment le film américain. Ouais, on va péter la. Ouais, en fait, c'est des. Ok. Ouais, en fait, on est attaqué par des. Les États-Unis sont gentils et on s'est fait attaquer par des terroristes. Et non, en fait, les terroristes, ils étaient manipulés par les extraterrestres. Et non, les extraterrestres, en fait, ils étaient aux ordres de Satan, voyez. Oh, le truc, il vomit de la lave, ça fait vraiment le bruit de vomi. Ah bah je dois affronter un peu d'ennemis là. Voilà. Bon chérie, je vais faire les courses pour le Vortex. Le Vortex pour la guerre du Nord 2023 est allumé. Ok, plus qu'un petit niveau. Voilà, on va jouer encore 3, 4 minutes, 5 minutes. Merde. Menace et limite. Attends. Voilà. Voilà. Ah ben. Ah mais ça c'est. Ah. J'ai jamais vu ça. C'est un bug ou pas? D'habitude, il se ferme en deux. Très bien. Oh, deux à la fois, deux d'un coup. Deux pour le prix d'un. Ah. Voilà, vous voyez, ça c'est la tête. Si la tête, la capuche, elle est remplie de rouge, c'est ça fait spawner plein de méchants. Oh merde! Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai rien compris. Je sais même pas ce qui m'a tué. Mais saute correctement, c'est pas parce que t'es énervé que tu dois faire n'importe quoi. Ok.
Ah, je meurs. Bon, on va vite sauter cette zone. Oh merde. Putain, mais c'est l'enfer ici. Littéralement. Oh. Ok, bon, mais c'était pas la peine. C'était lamentable. Pauvre con. Oh merde. Oh merde. Attends. Comment je vais pouvoir me débrouiller? Oh là là! Voilà! Ouais! Par contre, là, c'est l'enfer. Oh merde, oh putain la mort épique. Ouais mais au moins je suis mort pour quelque chose. Ah ben la vie est tombée. Bon ben je vais devoir me débrouiller sans. Oh là là, le bordel que c'est pas possible. Allez. Bon ben là je viens, quelqu'un vient de m'appeler au téléphone. De toute façon c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez jamais, vous êtes les meilleurs caseurs du monde.